بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما نشتغل على المشروع ديالنا اللي هو جيستيون دو ستوك، في الجزء الثالث إن شاء الله دوك غادي نشوفو كومون كريي ان فورمولير كي بيرمي داجوتي ان نوفو برودوي. دوك اون فا ايتيليزي لو كود في بي ا بور اكسيدي على باز دوني او على تابل برودوي، اي اون فا انسيري لي دوني دون سي تابل. داكور؟ Donc, je travaille toujours sur notre projet GStock. Donc, je lance ma base de données. Donc, la liste de produits. Donc, on va ajouter ici un formulaire qui permet d'insérer un nouveau produit. Donc, je vais lier ce formulaire à ce bouton. Lorsque je clique sur le bouton Nouveau produit, donc, une fenêtre qui va s'afficher pour saisir les informations à insérer dans la table produit. D'accord? Donc, je fais ici créer. Je vais utiliser maintenant un formulaire boîte de dialogue modal. Donc, boîte de dialogue modal. Donc, je clique sur boîte de dialogue modal. Très bien. Maintenant, je veux ajouter les champs, ajouter les informations pour les insérer dans la table produit. D'accord. Donc, on se met le formulaire de l'IADA. Donc, F, par exemple, ajouter produit. D'accord. Très bien. Donc, par défaut, le formulaire de la boîte de dialogue modal, il contient deux boutons. بالنسبة لهم سون ديجا انسيري، دونك نخليهم فيها بس. تخي بيان، دونك جو في اجوتي سي كيلكو ديزاين. تخي بيان، كولور دو فون. جو اتيليزي لو كود اكساديسيمال. Donc 0,5 B2C2. Donc B2C2. Entre. Très bien. Le petit design ici en arrière-plan. Très bien. Je vais ajouter le titre. Nouveau produit. Donc la couleur ici. Très bien, la taille. Je pense 14, c'est bon. Donc je déplace le bouton. Et je vais remplacer ce texte par une image. Donc ici, image. Donc pour l'arrière-plan du bouton, je vais utiliser couleur de fond. Oh, pardon, je vais utiliser le code hexadécimal ici. CE, 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 oh, pardon, EC, EC, EC. Très bien.
Donc, ici, je vais utiliser couleur de fond, pardon, transparent. Pour la légende de ce bouton, donc c'est enregistré. Enregistré. Et utiliser une image. Très bien. Je peux utiliser ici petite bande. Mettre en arrière-plan. Très bien. Donc si je lance par exemple comme ça, donc voilà. Donc nouveau produit. Donc c'est le bouton fermé et le bouton enregistré. Donc je vais effacer ce titre ici. Donc F, ajouter produit. Donc pour l'effacer, donc je serre, pardon, serre la légende ici. Donc je vais mettre un petit espace comme ça. Très bien. Si je lance, donc pas de titre. Maintenant, je vais ajouter les champs. Donc, la table produit. Donc, il contient l'ID produit. Il s'agit d'un auto-incrément. Je ne vais pas la mettre, je ne vais pas l'ajouter. Donc, il s'ajoute automatiquement à la base de données et se créer, va être créé automatiquement. Donc, je vais ajouter désignation, la quantité en stock, la quantité 1000, le prix unitaire, l'ID unité et l'ID catégorie ou la catégorie et l'ID unité. D'accord? Donc, créer. Donc, une zone de texte. Étiquette. Donc ici c'est désignation. Donc pour le texte, je vais mettre un nom. Donc ici, texte et désigne par exemple. Très bien. Ici, l'arrière-plan, je vais mettre. FA. FA, FA. Très bien. Donc je vais faire un copier-coller. Donc je vais mettre CTRL-C, CTRL-V, catégorie. Donc catégorie. Très bien. Unity.
Donc, quantité. La quantité main ici. Et le prix unitaire. Très bien. Très bien, donc l'unité, catégorie, quantité, prix unitaire, quantité mine. Comme ça, c'est bien, très bien. Je vais convertir Adam. Donc la catégorie ou l'unité sont des listes choix ou listes déroulantes. Je vais mettre ici convertir, donc remplacer par, de clic droit, donc remplacer par zone de liste déroulante. Très bien, donc zone de liste déroulante. Donc c'est la source de données. Je vais mettre ici, pardon, c'est pas la source de données, c'est données, contenu. D'accord? Donc je sélectionne ici la table catégorie. Sélectionne là, il est les catégories. Très bien. Ici, je vais mettre comme modification sur format. Donc le nombre de colonnes, c'est 2. Donc, la première colonne, la largeur, c'est 0. Et la deuxième, je peux mettre, par exemple, 3 centimes. Très bien. La même chose pour l'unité. Donc, remplacer par zone de liste déroulante. Je vais mettre les deux en même taille. Très bien. Donc, données, contenu. Unité. Très bien. Donc, sur format, le nombre de colonnes, c'est 2. Donc, la première, c'est 0. Et la deuxième, par exemple, 2 centimes. Très bien. Je donne les noms à chaque champ, à chaque variable. Je donne un nom pour l'utiliser après, la programmation code VBA. Donc ici, je vais mettre TXT design, désignation, pardon. Ici, c'est ID TXT ID CATIC. Ici, TXT ID Unity. Très bien. Maintenant, c'est TXT quantité. TXT quantité min. Très bien. Pour le prix unitaire, TXT prix unitaire. Les variables d'ordre, bien comme ça, on peut parler les tu vois, mon assivant, mon assivant, TXT toujours pour signaler. Il s'agit des zones de texte. Donc maintenant, si j'affiche comme ça, très bien. Donc j'ai la désignation, la catégorie, unity, donc le prix unitaire, la quantité, pardon, la quantité mine et le prix unitaire. D'accord? J'ai un bouton ici fermé qui permet de fermer ce formulaire.
et un bouton qui va enregistrer les informations dans la table produit. Ensuite, il va fermer ce formulaire. D'accord? Donc, je clique ici, donc serrer événement. Donc, un macro par défaut, je vois le macro chenofier ici. Donc, tout simplement fermer fenêtre. Pnsba enregistrer. Je ne vais pas utiliser un macro pour fermer la fenêtre. Le bouton d'Insmea. Donc, BTN, ajouter produit. Donc, comme ça, qu'est-ce qu'on c'est là, je ne sais pas le code VB. D'accord? Lorsque je clique ici, donc il va afficher automatiquement avec le formulaire les d'abord. Donc, mode création. Donc, c'est le code événement. Pardon, se mettre le bouton de SMEA. Nouveau produit. Un nouveau produit. Toujours clique sur événement. Au clic. Générateur de code. D'accord. Donc de cmd.openform. Et je donne le nom du formulaire ici. Donc c'est F. Ajouter produit. Très bien. Je teste. Enregistrer, je teste. Je clique. Très bien. Donc, il va afficher le formulaire donc créé précédemment. Maintenant, il reste à ajouter le code bouton enregistrer qui nous permet d'enregistrer les informations dans la table produit. Ensuite, il va rafraîchir cette liste ici. Donc, il va rafraîchir cette liste. Très bien. Très bien, donc je clique sur le bouton enregistrer. Donc c'est ici événement, on clique, je vais double-cliquer ici, on clique, donc générateur de code. Très bien. Donc maintenant, je vais utiliser un objet donc, qui permet d'accéder à notre table de la base de données, donc produit, un objet qui s'appelle record set. Donc je le déclare ici, donc dim rs as record set. Très bien. Je vais ouvrir la table produit. Donc, set, je vais set, ça veut dire régler. Set RS est égal à Queryons, la base de données actuelle. Queryons.db.hop record set. Je donne ici le nom de la table, c'est produit. Donc, je vais ajouter ici un paramètre db. Donc, Open table. Et puis open table, ça veut dire qu'il s'agit ici d'une table. Donc pour ajouter dans notre base de données, donc c'est très simple, je vais utiliser le record set, donc rs.addNew, ça veut dire ajouter l'enregistrement. Et ensuite, je vais terminer rs.addNew par rs.updates. Donc updates. Ici, je valide l'ajout. Je peux commenter ici. Donc, et ça, enfin, après, je vais donc valider l'ajout dans la table. Pardon. Table produit. Très bien. Donc, les informations que je vais ajouter, je vais utiliser RS. Je vais accéder au champ comme ça. Donc, RS, c'est la désignation. Le code produit, il est créé automatiquement à partir de ID produit et désignation. Je ne vais pas l'ajouter. Donc, il sera créé automatiquement. Je vais ajouter la désignation. Donc, désignation est égal à mi.désignation. TXT design. Donc la même chose, je vais mettre RS, pardon, RS quantité en stock, quantité min, donc quantité ici, est égal à mi.min.
Pense. Texte, quantité. Texte, pardon, quantité. Donc la même chose. Donc RS. Donc le nom du champ ici de quantité min. Égal à mi. Mi, ça veut dire c'est l'interface actuelle. Donc le formulaire ajouté produit. Donc mi point txt quantité min. Très bien. RS point pré-unitaire ID unité ID catégorie. Donc pré-unitaire. Donc pré-unitaire. Égal à mi point pré-unitaire, ah, pardon, texte pré-unitaire, rs point id produit, pardon, id unité est égal à rs, pardon, point est égal à mi point id unité. RS record set ID catégorie égal à mi texte ID catégorie. Très bien. 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Très bien. Donc, il faut faire attention ici. Donc, à chaque manipulation du record set, donc je dois fermer cette record set rs.close. C'est-à-dire, je ferme cette record set et je vide la mémoire. Donc, set rs est égal à nothing. C'est-à-dire, lâcher. Très bien. Je vais actualiser la liste des produits. Donc, de CMD, MD.requery. Très bien. D'accord. Je peux tester maintenant. Je clique sur Nouveau produit. Par exemple, je peux ajouter ici PC. Portable HP par exemple. Donc la catégorie c'est informatique, l'unité c'est une pièce, la quantité je pense par exemple la quantité 6,5, la quantité minimum 2, le prix unitaire je pense par exemple 10 000. Je clique sur enregistrer. Très bien. Donc le produit a été ajouté. D'accord, ajouter produit. Donc c'est là-ci. Donc ajouter produit. Donc je dois fermer le formulaire d'ajout. D'accord? Donc 2CMD, pardon, 2CMD.close. Donc le type d'objet qui va être fermé, donc access form. D'accord? Et je vais mettre me.name. Ça veut dire le nom du formulaire, c'est formulaire, ce formulaire. Donc me.name, il donne F ajouté produit. Très bien. Je teste maintenant. Donc je lance ici la liste des produits. Donc nouveau produit. Donc je vais ajouter ici maintenant imprimante par exemple laser HP. Donc catégorie c'est pression informatique. Donc pièce, quantité.
Oxytimine 1, le prix unitaire 2000. Enregistré. Très bien. Donc voilà, ils sont ici 5. Donc la Zedlina, le produit. Donc si je teste ici, c'est la table produit. Voilà. Donc le produit a été ajouté et l'interface a été actualisée. Très bien. Je vais ajouter quelques tests ici. Donc si je clique sur ajouter, voilà, donc il va ajouter des champs vides. Pour empêcher d'ajouter des champs vides ou des données incohérentes, je vais ajouter quelques tests avant d'ajouter les informations. D'accord? Donc en mode création, donc enregistrer, pardon, c'est le bouton enregistrer. Donc ici, je vais faire avant de lancer Requestset RS.Admio, je vais mettre ce texte, je vais tester, donc if. Pardon. If donc mi.txt design différent de la chaîne vide and mi.txt catégorie donc différent la chaîne vide and txt donc ici catégorie donc unity différent de la chaîne vide un demi point txt donc prix unitaire différent chaîne vide un demi point txt quantité différent de la chaîne vide. D'accord, je vais exécuter ce code. Donc si les chances sont pas vide, je vais exécuter ce code. Else. Donc, and if. Donc, je vais écrire ici. Donc, MS, je vais afficher un message MSG. Box. Essayez, s'il vous plaît, de compléter. Les informations. Formation. Très bien. Donc, VP critique. Très bien. Je teste. Très bien. Donc, clique ici. Donc, je ne peux pas ajouter s'il y a des informations qui ne sont pas valides. Donc, je vais empêcher l'utilisateur d'ajouter des informations dans notre base de données. Très bien. Très bien, je supprime cet élément. Ok. Donc, je vais ajouter un petit truc ici. Donc, il y a un autre élément lisé, il y a un diff en tête de la liste. Donc, je vais tout simplement trier les données ici par l'ID produit décroissant. Je vais mettre ici ID produit décroissant. Très bien, donc l'élément, le produit numéro 13, il est là. Donc si j'ajoute par exemple un autre produit, produit numéro 14, donc impression pièce. Très bien, donc voilà. باش نختم هذا الحصه هذه دونك هنايا جو في اجوتي كيك كونترانت انا اجوتي واحد لا كونترانت ici sur la quantité sur les nombres باش من الاتيزاتور جو في امبيشي الاتيزاتور ا سيزير ici des lettres par exemple pour les quantités il va saisir comme ça donc c'est pas valide
Donc, je vais l'obliger de faire ou de saisir les numériques. D'accord? Donc, je vais ici cliquer sur quantité. Donc, sur événement. Donc, maintenant, je vais mettre avant, mettre à jour. Donc, avant de valider l'ajout. Dès que l'information, dès que la zone de texte, donc je vais tester avant de valider l'information. D'accord? Donc je clique ici, c'est vraiment générateur de code et je teste. If, pardon, if not is numérique. Numérique. Donc la valeur d'échange texte et quantité. Si texte et quantité n'est pas numérique, pardon, je peux mettre mes points, pas numérique, donc indif. Je vais mettre ici, donc mes points, texte et quantité, pardon, point cell star. Donc, est égal à 0. Donc, de la zone, je vais mettre ici le curseur au début de la zone TXT, de la zone quantité. D'accord? Ensuite, je vais mettre ici, donc, mi. Je vais sélectionner l'ensemble des textes pardon, je vais sélectionner l'ensemble des textes de la zone de TXT quantité. Donc, mes points texte et quantité, celle length est égal à length, c'est-à-dire le nombre de caractères contenus dans le texte et quantité, voilà, point value. Très bien. Et mettre ici cancel. Égal à zéro. Ça veut dire je vais annuler un donc c'est quand tapé le caractère A ou la B ou la C. Donc on se dit le champ d'A et contient que les numériques. Donc on y a ce qu'on dit. Les deux instructions ici. Je vais sélectionner avec le texte. Je vais cliquer avec ce formule. Très simple. Et je vais désactiver l'information. Je vais cancel. Yani cancel est égal à zéro. Ça veut dire je vais pas accepter cette valeur. Cancel est égal à zéro. Je ne vais pas accepter la valeur des caractères pour passer au deuxième champ. D'accord? Je teste. Voilà, je tape par exemple ici quelque chose. Maintenant, si je tape quelque chose ici, je passe, voilà. Donc, je ne peux pas passer à un autre champ. Donc, on est revenu automatiquement la zone de texte ici. Donc, sélectionner, je vais sélectionner des numériques. Très bien. Donc, je vais mettre la même chose pour quantité min et prix unitaire. Très bien. Je peux faire copier ce code. Je vais le coller ici. Donc, texte prix unitaire. Attention ici, vous devez remplacer ces variables. Très bien. La même chose pour textmin. Maintenant, je teste. Ah, vous pouvez retourner ici, pardon. Donc, c'est très simple. Donc, c'est la même chose pour le prix unitaire. La quantité et la quantité min, je vais appliquer la même chose. Donc, si la valeur n'est pas la même, je ne vais pas l'accepter et je vais sélectionner le texte pour prochaine modification. Très bien. Par exemple, ici, je tape un code des lettres. Voilà, il n'est pas accepté. Je tape. Très bien, c'est la même chose. Voilà. Très bien. Donc, maintenant qu'on se force faire le hessa, Inch'Allah. Maintenant qu'on se fait tout. Donc,
La Inch'Allah, donc on va voir comment activer ce bouton. Donc lorsque je clique ici sur le bouton Adi, donc il va être un fenêtre qui va être affiché. Donc je fais le produit Ada, où je peux mettre les modifications nécessaires et enregistrer. D'accord? Merci. Inch'Allah.